Mauvaise herbe en marche. Mon nom, c'est Louis Bélanger. Je fais des vues. À propos d'observations que je fais, mais en fait, celle-ci, c'est un truc que j'ai écrit avec Alexis Martin, le gars qui est là de dos. Allô, man. Qu'on appelle Monsieur Man dans le domaine. Attention. Tu lui donnes le bras? C'est terrible, les acteurs. Faut tout faire. C'est des vrais enfants. Donc, celui-là en particulier, c'est un truc que j'ai écrit avec Alexis les trois dernières années. On a passé 3 ans à écrire ça. C'est un film qui se passe dans l'hiver québécois. J'avais envie de filmer l'hiver. Puis, c'est une relation d'amitié qui devient pratiquement une relation familiale entre trois personnes qui n'ont aucune raison d'être ensemble et qui finissent par passer un hiver ensemble à cultiver 1500 plants de potes dans une grange. Donc, leur projet finit par être menacé et ils doivent un peu défendre leur république parce qu'ils vivent en autarcie. Chaque film, j'essaie de faire un peu... mettre en toile de fond des choses qui me tiennent à cœur au niveau sociologique, au niveau politique, au niveau économique. Fait qu'il s'inscrit un peu là-dedans. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? C'est une bonne question. Moi, j'ai besoin de créer, donc ça fait partie de mon gaz pour vivre de la création. Le cinéma est intimement lié dans ma vie. C'est pas du tout une façon de gagner ma vie pour moi. C'est une façon de partager mon quotidien avec... parce que mes relations de travail finissent souvent en relation d'amitié. Fait que ça fait partie de ma vie de faire du cinéma parce que je le fais beaucoup de façon, je dirais, familiale avec ma gang d'amis. Je pense que c'est un thème qui est récurrent chez moi, l'amitié, la solidarité. Hello, Gabi! Ah, des paparazzi, un barrage de paparazzi super agressif. C'est ma vie privée, ça! Hey! Ouais, rentre pas ta bête, oui. Content.